Le déserteur. Repoussant les injonctions aux rituels sacrificiels dans la mystification des intérêts économiques, repoussant la gloriole de la virilité de façade qui se valorise dans la patriotardise inepte des autodestructions, repoussant la précipitation du zombie cybernétique mondial et son spectacle de sang canonnière et de désolation normale. Repoussant, jour après jour, les distillations, les infiltrations d'un monde de mort et où le défi s'impose, celui de continuer à investir la vie. Repoussant toutes les aliénations enfermantes d'un monstre froid, imposant une réification grandissante et où toute joie de tisser du lien vient contrecarrer ce dessein. Repoussant tout projet de guerre qui ne cesse d'être un narratif omniprésent, et pour autant continuer à maintenir un équilibre de paix intérieure. Il préfère mourir sous les raisons absurdes de l'homme aliéné et son délire juridique jamais repu, que mourir dans la communion macabre avec son ami en humanité, faux ennemi du champ de bataille. Haïssant la posture, le hasard et l'obéissance, il aménage dans son cœur une résistance d'amour et construit une solitude sublimée à deux, plutôt qu'une communion hystérique, angoissée et non fertile. Il préfère se couper de sa famille plutôt que de mourir sur le front d'une guerre absurde, injuste, commanditée par des chefs non légitimes, usurpateurs d'un pouvoir totalement détourné. Il préfère rester fidèle à ses valeurs personnelles, garder toute dignité pour ne pas servir des logiques de destruction. L'innocence du devenir tient lieu de pourquoi, et tous les comment sont des chemins de lumière vers son divin brûlant. L'innocence du devenir lui fait accepter les regards inquisiteurs, et il ne rompt pas, main dans la main, avec la vie et la mort dans une union universelle. Les noces de son refus annoncent la conjugalité de son acceptation à la totalité du spectacle et de l'antispectacle. Accompagné des vertus d'authenticité et de vérité, il revêt son manteau de courage pour retrouver son chemin d'humanité. Il dépasse alors toute peur, toute critique extérieure, pour incarner sa destinée d'un modèle inspirant.